Salut et bienvenue sur la chaîne à gauche, et oui parce que la, la, la chaîne à gauche m'a demandé de, de répondre à quelques questions sur la gauche. Alors évidemment moi j'ai pas de définition euh, personnelle de la gauche, hein. elle, elle est toujours à prendre dans un contexte historique et social particulier, et dans ce contexte justement bah, on se retrouve à à se représenter spatialement en quelque sorte euh, des grands blocs idéologiques qu'on place plutôt d'un côté euh, ou de l'autre. Et, euh, et du coup, bah, historiquement, on, on, enfin, li, le, comment dire, la source euh, originelle de l'idée de, de gauche et de droite, c'est euh, le fameux moment hein, de, à la Révolution française, enfin pendant la Révolution française, lorsque pendant la, la constituante de 1789, les, les partisans... Euh, du veto euh, du roi se mettent plutôt à droite et euh, ceux euh, qui sont contre hein, se mettent à gauche. D'ailleurs c'est une idée qui a été... Enfin euh, dans... historiquement on n'est même pas sûr que ça soit, soit ça, ça, hein, ça a été pas mal remis en question, mais ça fait partie en tout cas des, des, des mythes un peu fondateurs de la modernité politique selon lesquels ce, ce placement à droite et à gauche euh, viendrait de là. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que euh, d'emblée, les hommes politiques... Surtout à l'époque, hein, les hommes, et pas vraiment les, les femmes politiques, mais ça c'est une autre question. Euh, les, les personnalités politiques se sont pas tout de suite d'emblée considérées comme de gauche, comme de droite. C'est vraiment un clivage qui a évolué historiquement euh, tout au long du XIXe siècle, avec euh, plusieurs nuances, et puis surtout qui s'est euh, vraiment construit euh, tel qu'il est aujourd'hui dans nos représentations euh, spatiales du politique, à gauche, à droite, etc., euh, au XXe siècle. Et notamment avec euh, tout le, le, le parlementarisme, hein, forcément. Euh, euh, à l'Assemblée, on se place à gauche, à droite, euh, etc. Et puis pareil, on se représente euh, des personnalités politiques plutôt à gauche ou à droite, et des valeurs politiques, euh, la liberté, l'égalité, ou en tout cas plutôt des interprétations de ces valeurs, euh, comme étant plutôt de gauche ou comme étant euh, de droite. Alors je parle d'interprétation des valeurs parce que... Euh, alors, il y a souvent l'idée euh, qui était dans la vidéo de Macron, hein, qui aurait pu être sur la chaîne à gauche d'ailleurs, euh, où, où il place euh, sur l'espèce le, d'émission télé au tableau là, où il place la, la gauche comme euh, avec l'idée de l'égalité et euh, comment dire la, la droite avec l'idée de la liberté. Ce qui est une bêtise de, enfin voilà, évidemment parce qu'en fait c'est la manière dont on interprète la liberté qui va plutôt être passée à gauche ou à droite et l'égalité euh, de même. Euh, mais il y a quand même quelque chose avec l'égalité, euh, si on essaie de définir un peu de manière substantielle la, 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 le clivage gauche-droite. En tout cas, voilà, en, en essayant de, de prendre un peu de recul historique, ce qui n'est pas vraiment possible en fait, parce que, parce que le, le clivage gauche-droite prend place toujours dans un contexte historique et social. Mais. Euh, si on essayait de trouver une définition substantielle à partir hein, quand même de cet ancrage historique bah ça serait quand même l'idée de, euh, de l'égalité mais en tout cas de l'égalité euh, et de la liberté euh, liées toujours de manière euh, concrète et euh, justement la gauche rechercherait ça c'est à dire l'égalité euh, dans la liberté ou la liberté euh, avec l'égalité c'est à dire qu'on peut pas être égaux euh, si tout le monde n'est pas libre et on ne peut pas être libre euh, en société, puisqu'on est des animaux sociaux et politiques, si euh, justement bah, tous les autres ne sont pas également libres. Voilà. C'est un, un, un peu cette idée-là, en tout cas cette exigence que tout le monde soit également libre, autonome, en quelque sorte, indépendant, euh, dans le sens où on n'est pas sous la domination euh, d'une structure, euh, d'autres personnes ou, euh, ou d'un système. Et en quelque sorte, la gauche, avec plein de nuances, évidemment, euh, ça serait la, la recherche de, cette, de cet idéal. Et euh, plus on serait à gauche, plus on voudrait euh, euh, en quelque sorte, voilà, vers l'extrême gauche, alors évidemment historiquement, euh, c'est bien plus compliqué que ça, mais euh, vers l'extrême gauche, on voudrait, on voudrait vraiment abo abolir toutes les structures euh, qui peuvent euh, dominer les personnes, et euh, les faire entrer dans des relations de, de domination et, euh, et inégales, pour le coup. Alors que vers la droite, il y aurait une focale qui serait d'abord faite plus évidemment sur, sur la liberté, hein, le, le, en tout cas avec le, le déplacement du libéralisme vers la droite, quand le socialisme est apparu comme une pensée vraiment subversive par rapport au pouvoir au XIXe siècle. Et euh, c'est avec ce déplacement vers, la, enfin, le, le déplacement vers la droite, on irait plus vers un, un respect de la, de la hiérarchie euh, qui permettrait d'exprimer une certaine interprétation de la liberté, en tout cas de la liberté de ceux qui. Euh, qui, euh, qui réussissent. Voilà. Dans la, à droite, on a, on a plutôt un attrait à, vers la hiérarchie, mais à partir de différents critères. Évidemment, à droite on ne va pas être d'accord sur ces critères-là. Ça va être le critère du mérite, par exemple, ou alors, euh, si on, vraiment on va vers la droite, un critère euh, qu'on dit euh, qu'on pourrait dire euh, euh, nativiste, c'est-à-dire c'est que les nationaux, par exemple, là, du coup, vers l'extrême droite, ou en tout cas ceux qu'on prétend être les nationaux, ceux de la nation qui, euh, qui seraient euh, les... Euh, qui devrait euh, du coup euh, prétendre à, à la vraie liberté et, et au pouvoir. Voilà. Donc en fait, à, à droite, on aurait plutôt vraiment cette idée de hiérarchie, d'un respect de la hiérarchie selon euh, différents critères, tandis qu'à gauche, on irait vers cette, cette abolition de la hiérarchie pour aller vers une égalité concrète pour tout le monde, en tout cas si on va vraiment vers euh, plus à gauche possible. Évidemment, cette idée-là, c'est euh, une idée qui, euh, qui permet de... Enfin, euh, à mon sens... Alors du coup, c'est le petit instant promo. Euh, c'est dans le, le bouquin que, que je vais sortir, du coup, enfin euh, que je sors en, en janvier, euh, qui porte le même nom que la chaîne, Politikon. Uh, uh, uh. Et euh, du coup, je développe un peu ça dans l'introduction, et ça me permet en fait de, euh, de, euh, de prendre un peu de recul historique, sans, sans évidemment partir de ce contexte contexte socio-social historique qui est toujours important à en prendre en compte. Euh, pour justement essayer de placer sur une, sur une carte, des, enfin sur cette carte de la gauche et de la droite en quelque sorte, une carte très simpliste hein, évidemment, mais qui permet de, de se représenter le monde, le monde politique, euh, donc elle a une utilité, euh, à la fois pour se, se représenter ce monde, et puis aussi pour, pour, pour s'y placer éventuellement, pour se dire soit on est de gauche, soit on est de droite, ou au milieu, ou peu importe. Mais euh, voilà, donc je me sers un peu de cette idée-là pour euh, justement placer un peu euh, sur une carte des idéologies, le libéralisme, le socialisme, le conservatisme, etc à partir vraiment de cette idée de, euh, de l'égalité, euh, d'une interprétation de l'égalité, de la liberté, euh, qui est vraiment plus concrète quand on est vers la gauche, et plutôt une défense des, des hiérarchies naturelles ou, euh, ou construites, hein, peu importe, quand on est plutôt, euh, plutôt vers la droite. Et dans le bouquin, justement, dans l'introduction, bah, je rappelle un peu cette définition euh, substantielle, alors que je reprends à partir d'un philosophe italien qui s'appelle Norberto Bobbio, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs sur, euh, sur la chaîne YouTube, Politicon. Euh, qui, euh, qui, qui, qui pour lui, le, le, la, la gauche, enfin son étoile polaire, comme il dit, c'est-à-dire son guide, c'est la recherche de l'égalité. Voilà. Et que plus on va vers la droite, moins on recherche l'égalité. Et euh, évidemment, en sciences politiques, et en sciences euh, en histoire euh, politique, on va, plus, on, on va pas s'attacher à cette définition substantielle, mais plutôt à une définition historique et dynamique qui rencontre euh, du coup plutôt des, des processus euh, politiques qui ont fait que euh, les termes gauche droite de gauche droite se sont, se sont installés et puis comment aussi euh, les, les acteurs politiques les acteurs et actrices politiques se, se servent de ce clivage pour euh, bah, pour euh, lutter dans le, dans le jeu politique sur la scène politique de dire que quelqu'un est de droite ça peut être aussi une une, une invective politique pour dire non je suis pas d'accord avec toi etc et quand quelqu'un de droite dira bah toi tu es, es un gauchiasse toi tu as un droit tardé etc alors c'est des versions un peu, euh, euh, comment dire, euh, un peu vieux, <laughs> un peu, euh, on va dire violente entre guillemets, du, verbalement du, du clivage, mais euh, en tout cas voilà, ça, on se sert encore de ce clivage pour placer, placer se placer soi-même sur le jeu politique et puis en même temps euh, mettre de l'autre côté des adversaires politiques. Donc ça c'est aussi hein, le clivage gauche-droite, on peut le définir de cette manière, hein, un clivage qui sert à se placer et à, et à lutter politiquement, parce que les mots sont, les mots en politique sont toujours des, des armes. Et euh, c'est quelque chose aussi que, que je rappelle dans le livre, et puis c'est pas, pas moi qui dis ça, hein, mais voilà, je, je le reprends à partir de, de plein de d'auteurs, de, de, euh, d'autrices qui, qui, qui parlent de, de ça. Et puis après, je, je rappelle aussi qu'il faut euh, prendre garde à ne pas plaquer le, le clivage gauche-droite euh, de manière anhistorique hein, sur toute l'histoire. Euh, ça a peut-être du sens de, de parler du clivage gauche-droite depuis la modernité politique, et encore, c'est-à-dire depuis... Euh, en tout cas, les... Depuis qu'il a été entre guillemets créé, c'est-à-dire pendant la Révolution française, si on, si on admet cette exception, enfin si on admet ça. Mais voilà, là on sait que ça a du sens d'en parler aujourd'hui parce que les, les acteurs et euh, actrices politiques en parlent et s'en servent, et euh, malgré euh, tous les, tous les, toutes les négations et ceux qui voudraient le voir, euh, voir le clivage euh, aboli en quelque sorte. Mais euh, euh, ça a sûrement moins de sens d'en parler au Moyen-Âge, ça a sûrement moins de sens d'en parler. Euh, euh, pendant l'Antiquité, puisque euh, le, il n'existait pas, c'était pas dans la tête des personnes à cette époque-là, et euh, ça serait vraiment une surinterprétation euh, de parler de la gauche et de la droite euh, à l'Antiquité par exemple, euh, et même et De la même manière qu'on viendrait plaquer des idéologies politiques euh, contemporaines sur euh, des sur des pensées actuelles, je sais pas de dire que... j'en sais rien, euh, que, que, que Platon est un socialiste ou un, un totalitariste ou un... un un libéral, enfin j'ai des bêtises, mais voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, faut, faut quand même qu'on garde toujours en tête le contexte historique et social euh, dans lequel les, les, les termes qu'on utilise, comme le clivage gauche-droite, euh, euh, naissent et puis évoluent. Quoi. Alors du coup, pour répondre à la question de, est-ce que moi je me considère de gauche? Euh, alors, je fais partie de, des, des personnes qui, qui pensent qu'en fait, euh, effectivement, le, le, le clivage gauche-droite est toujours utile euh, pour, pour se placer euh, politiquement et que euh, il peut être une, une arme politique euh, utile et, euh, et puis aussi un, un moyen spatial facile de se représenter euh, où on en est euh, dans le dans le jeu politique euh, et, et puis de de se dire bah voilà on va peut-être rattacher telle ou telle action politique telle ou telle valeur politique plutôt de, de ce côté-là plutôt que d'un autre côté euh, évidemment ça voilà ça peut ça peut se discuter et ça fait partie du jeu politique et en, ça fait et de l'usage et du coup un peu c'est un peu comme dans la langue hein, c'est l'usage un peu qui fait euh, qui fait euh, <laughs> qui peut faire euh, qui qui rend euh, qui peut rendre compte de tout ça et euh, voilà moi alors évidemment si je parlais tout à l'heure des valeurs d'égalité de liberté de manière euh, intrinsèquement liés, et, euh, et d'aller vers cet idéal-là dans lequel personne n'est laissé de côté, et euh, justement il y a une égalité de liberté où personne n'est dominé, c'est quelque chose que que, euh, bah, que je désire profondément, c'est-à-dire que j'ai toujours, comment dire, euh, euh, j'ai très peu d'appétence pour la, la hiérarchie, j'ai très peu d'appétence pour, pour, pour des, des idées de, 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 de mérite, de... Euh, euh, et de, euh, de, de valeurs valeur, euh, naturelles selon lesquelles on serait différent, en tout cas de man... on se considérerait en tout cas de manière différente, c'est-à-dire qu'on devrait agir de manière différente et, euh, et, et faire en sorte que, des que des, la valeur des vies soit différente. C'est quelque chose à laquelle bah, je, je répugne, et donc euh, si oui, c'est clair qu'on peut dire que euh, de ce côté-là, je suis euh, de gauche. Mais après, euh, évidemment, c'est une... c'est entre guillemets une une représentation politique, aussi une, une position politique dans laquelle je me place, et qui implique, qui peut impliquer, de toute façon que ce que de quelques bords politiques constituent, est plein de contradictions, c'est-à-dire euh, faire des vidéos sur YouTube, euh, gagner de l'argent avec, euh, sortir un livre, enfin voilà. Et des choses dans lesquelles, évidemment, je vais me placer. Ça va me permettre d'acquérir certains privilèges aussi, que ce soit euh, symbolique, économique, social, etc. Et ça fait c est, c est... <laughs> C'est Il euh, y a peut-être un peu ça aussi dans le fait d'être de gauche, et là c'est peut-être un peu plus... Euh, euh, comment dire, une définition un peu plus personnelle, entre guillemets, que, 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 qui est vraiment pas placable sur les autres, mais c'est euh, un peu euh, gérer ces contradictions euh, dans cette fameuse vie qu'on vit euh, en société, euh, qui est une société euh, forcément inégalitaire, dans laquelle euh, on n'est pas tous placés euh, à la même échelle, et euh, sur lesquelles tout le monde ne profite pas des mêmes, des mêmes choses. Et euh, du coup, là, ce serait encore un autre débat. Euh. Et enfin, entre guillemets, hein, c'est un débat interne à, à moi-même, mais c'est souvent quelque chose qui revient. Hein, les, les idées de, de pureté militante, de, de, de choses comme ça. Euh, est-ce qu'on doit être le plus cohérent possible avec ses euh, valeurs euh, Qu'est-ce qui et, et en même temps, est-ce qu'il faut ne rien faire Enfin voilà, c'est plein de choses qui sont compliquées. Quelles actions on peut mener justement pour être en cohérence avec ses valeurs Est-ce qu'on peut viser l'égalité et la liberté en usant de la violence, par exemple Là, là, je, 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 évidemment, je ne veux pas faire de, de jugements moraux et politiques de bas étage en disant non, il faut jamais être violent, il faut jamais... Voilà. Mais... Euh, et c'est des questions un peu qu'on qu peut se poser quand même d'une certaine manière. Euh, est-ce qu'on peut, par exemple, considérer que, que euh, même si dans euh, la représentation politique, dans l'imaginaire politique, l'URSS le, le, de Staline euh, est à l'extrême gauche, est-ce que euh, la manière historique euh, effective de la réalisation du, euh, du soviétisme de, de Staline euh, et d'extrême gauche en, par rapport aux valeurs qui sont, qui sont défendues, euh, je suis pas sûr. Donc voilà, ça fait... Il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter à partir de ce clivage, qui est, qui est très simple, qui est, qui est binaire, mais qui est utile, et qui euh, finalement peut apparaître très complexe sur, selon la manière dont on l'interprète. Et... Euh, et selon euh, la manière dont il est utilisé historiquement, puisque tout, euh, tous les acteurs et actrices politiques qui l'utilisent peuvent l'utiliser de manière différente, puisque dans le monde politique tel qu'on est, c'est à la fois euh, une arme et puis un outil, quoi. Enfin, un outil de, de représentation. Comme je suis euh, maintenant de la gauche petite bourgeoise, euh, symbolique et tout, là, euh, bah, n'hésitez pas à acheter le livre, hein, Politicon, du coup je reparle de ce clivage... Euh dans l'introduction et euh, je parle de, de, de plein d'autres choses aussi. Voilà.